Ta boîte Okito qui est carrée. Okito, c'est quoi une boîte Okito? C'est pour le site, On dit rien. Silence radio dans la salle. Si, vous pouvez applaudir. Dire, si ça nous plaît. Si ça vous plaît, oui. Ce tour est incroyable, parce que souvent les magiciens font des combines, et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche toujours comme ça. J'ai fait une prédiction, là, et nulle part ailleurs. D'accord ? Et je vais le faire... Tu connais, toi ? Mais oui, moi, je... Tu connais l'astuce ? Alors, on va le faire... Claude. Là. Allez. Claude, regarde bien. Il y a du blanc, il y a du vert, il y a du orange, il y a du rouge, il y a du bleu et du violet. Bravo ! Bravo ! Tout se passe là. D'accord ? Et on va jouer avec le hasard. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que le hasard fait toujours bien les choses. Comme le tour à d'avant. Exactement. Tu mélanges. Regarde-moi bien. Il n'y aura pas d'embrouille. C'est ça qui me rend fou dans ce tour. C'est que vous pouvez les faire 20 fois, ça sera toujours un miracle. Donc je mélange. Tu mélanges. Tu peux mettre la main dedans. Tu peux faire ce que tu veux. Regarde comme je suis zen. Et tu vas choisir, non, tu vas sortir. Est-ce que tu as le choix de prendre les 6 dés en même temps? Donc tu peux les prendre. Il n'y a pas de double, machin. Eh bien tu en sors 3 au hasard. Est-ce que tu sais ce que tu as dans les mains? Non. Donc c'est vraiment le hasard. C'est le hasard. Tu en sors 3 et tu les poses sur ma table. Incroyable. Oui. Tu reprends ça. D'accord. Cette fois-ci, tu les mets dans ton dos. D'accord. Et je veux pas que tu saches où sont les couleurs, donc tu les mélanges, tu mélanges. Et tu en poses un juste là. Incroyable. Incroyable. Tu vas en poser un deuxième par-dessus. Et on va faire ça jusqu'au bout. Le dernier, je mélange pas. Jusqu'au bout, tac, 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 tac. Est-ce que j'aurais pu prévoir ça? Non. Est-ce que tu aurais pu prendre cela aussi à la place? Ben oui. Est-ce que tu aurais pu mettre les couleurs dans un autre ordre? Oui. Absolument. Oui. Oui. Eh bien, je savais que tu allais mettre le bleu au milieu. C'est marqué là. Ouais. Vrai ou faux? Oui. Et en plus, à l'intérieur... Pardon, après, je débute... Je savais que tu allais choisir le bleu. Yeah, bravo. D'accord. Mais je savais tellement, parce que je vois qu'il n'y a pas de réaction, parce que vous avez envie d'être sympa. Mais normalement, ils ne sont pas si sympas. Je savais tellement que vous allez choisir le bleu, que je les ai mis tous bleus. Yeah. Et on peut applaudir à cette fois-ci. D'accord. C'est passion, il faut le dire. Ah ouais, bien. Cool. Bien. Très beau. Des questions? Comment tu fais? Alors, c'est ce que je vous ai dit au début, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Ça ne peut pas être un forçage, puisque Claude, il a fait comme il a voulu, et il a une tête de « je comprends pas ». C'est différent de ça. Ouais. Hein? Je ne comprends pas pourquoi ça marche comme ça. Les dés sont pas touchés, je peux vous le refaire, ça sera pareil. Le bleu. Et s'il n'avait pas pris le bleu? Je ne peux pas te dire autrement, il prend le bleu. La prédiction est là. Le bleu, de toute façon, je ne peux pas les changer, ils sont dedans. Bah ouais. Est-ce que tu peux le. On peut le refaire. Il pouvait. Et ça sera toujours bleu. Allez. Ça sera toujours bleu. Et ne me dites pas oui, mais. Ça me crève le trou de balle. Allez. Tu mélanges. Non. Dis bonjour, Thierry. Voilà. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a le bleu là-dedans? Non, je ne sais pas. Tu en prends 3.